C'est un geste symbolique que le bureau de la coopération militaire française vient de faire à la direction des écoles militaires au profit des écoles. Puisque, comme vous le savez, aujourd'hui le Mali est encore l'un des rares pays qui n'a pas fermé ses écoles de formation. Donc les formations continuent et ce geste symbolique nous va droit au cœur puisqu'il contribue à renforcer déjà les mesures barrières prises. Ce matériel, comme vous le voyez, c'est des masques, des verres qui sont destinés aux infirmeries, puisqu'au niveau de nos écoles, il y a des infirmeries. Ensuite, des gants, effectivement, les gants sont pour les infirmeries et les gels alcoolisés. Ça sera bien sûr les élèves. Les élèves qui parlent d'élèves, c'est l'encadrement, puisque les élèves sont en contact permanent avec l'encadrement. Et même en plus, le personnel de soutien, puisque c'est tout un monde qui est ensemble. Je voudrais sincèrement remercier les responsables du bureau de la coopération militaire française, toutes choses qui dénotent d'ailleurs la bonne collaboration entre la direction des écoles militaires et puis le bureau de coopération militaire auprès de l'ambassade de France au Mali.